va essayer de mettre en place une équipe qui a besoin de temps de jeu, qui a besoin de jouer, mais on n'a pas vraiment de, à part peut-être Johan Salmier qui a une petite douleur derrière le genou, mais autrement tout le monde est sur le pont pour pouvoir jouer samedi. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin de donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas eu beaucoup pour essayer de concerner aussi tout le monde. Et puis de redonner un petit peu de temps de jeu à ceux qui peuvent nous apporter aussi tous les week-ends. Et puis il y a peut-être aussi, malgré tout, des joueurs qui peuvent gagner aussi de la crédibilité, de la légitimité, de prouver certaines choses à l'entraîneur pour pouvoir prétendre peut-être changer la hiérarchie aujourd'hui de ce qui se passe le week-end quand on joue en Ligue 1. Ça permet d'avoir une compétition de plus et de pouvoir faire jouer des joueurs en plus. Ça permet aussi peut-être de faire jouer des jeunes. Ça permet aussi d'aguerrir certaines personnes. Et puis des fois des retours de blessures, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte avec cette compétition. En termes de jeu, c'est mieux, mais c'est moins bien en termes de points. Donc c'est ça qui est difficile à accepter aujourd'hui, même si on peut bien sûr faire encore beaucoup mieux par rapport à ce qu'on a montré en championnat. Mais en termes de jeu, en termes de ce qu'on voulait mettre en place depuis trois matchs, je ne dis pas qu'on est... Enfin, on n'est peut-être pas récompensé, mais il y a des choses aussi qu'on doit améliorer, et j'en suis conscient. Que ce n'est pas malgré tout un objectif ultime en fin de saison, que l'objectif il est de se maintenir. Mais comme on respecte tout le monde, on respecte toutes les équipes qu'on joue et qu'on respecte aussi la compétition, on la jouera comme il faut la jouer, en essayant bien sûr de gagner nos matchs et de passer tour après tour. Ça fait malgré tout du bien parce que il est vrai qu'il n'y a pas la résultante des points, donc c'est une qualification, une non-qualification, et puis c'est une autre façon d'aborder le match, puisque aussi si jamais il y a 0-0, ben, il y a des pénalties directes, donc ça c'est pas ce qui se passe en championnat, donc voilà, c'est une autre compétition, et ça permet de changer un petit peu, oui, dans les têtes. Jesse est venu aussi pour nous apporter une certaine forme d'expérience dans l'effectif, une légitimité qu'il a eue, et puis là, à un moment donné, il faut récompenser aussi les efforts de chacun. Ils font de très bons entraînements. Il est dans l'effectif, c'est quelqu'un d'apprécié. Donc, à un moment donné aussi, ça fait partie pour moi. Il y en a qui ne changent pas. Moi, je préfère changer parce que c'est comme ça, c'est ma philosophie. Et puis, ça permet de concerner tout le monde. Un gardien, c'est difficile par rapport à un joueur. Puisque un joueur est peut-être polyvalent, il joue à plusieurs postes. Un gardien, bon, il n'y en a qu'un. Donc, à un certain moment, il faut pouvoir les concerner.